Good morning, allez Yiden, les tutsra aujourd'hui, les Nunishmat Avraham Chaim Norber Ben Fortuné Mazal, Yadida Bat Esther, Chaya Bat Tobar, Chamim Ben Rosa. Si vous savez aussi, les une prochaine étude de Mishnah contre l'État de sa communauté éternelle, nous étudions Masechet Bechorot, Perekret Mishnah Dalet. Shtei Nashim Shelo Biku Veyaldu Shnei Zecharim, Noten Eser Slaim Lakoen. Met Echad Mehem Betor Shloshim Yom, Yim Lakoen Echad Natan, Yachzir Lo Chamesh Slaim. ושני כהנים נתן, אינו יכול להוציא מידם. זכר ונקבה או שני זכרים ונקבה, נותן חמש סלעים לכהן. שתי נקבות וזכר, או שני זכרים ושתי נקבות, אין כאן לכהן כלום. אחת ביקרה ואחת שלא ביקרה, וילדו שני זכרים, נותן חמש סלעים לכהן. מת אחד מן בתוך 30 יום, האב פטור. מת האב והבנים קיימים. רבי מאיר אומר, עד שלא נתנו, אם נתנו, עד שלא חלקו, נתנו. ואם לאו פטורים, רבי יהודה אומר, נתחייבו נכסים. זכר ונקבה, אין כאן לכהן כלום. משנה, לונג אסמפל. On connaît déjà tout ce qu'il y a dedans. C'est, il y a une certaine symétrie, un certain parallèle entre chaque prakim, chaque fois qu'on a parlé des bechor des animaux, et maintenant on parle des bechor des hommes. On continue à parler avec les différentes situations de doute que l'on peut avoir. En l'occurrence, on parle de Shtei Nashim Shelo Biku Veyaldu Shnei Zecharim. Un homme avait deux femmes qui ont accouché. Elles étaient dans un endroit où il n'y avait pas, peu importe, il n'y avait pas assez de lumière. On embrouillait les deux enfants. On ne sait pas qui est le fils de qui, d'accord ? Ça peut arriver. En tout cas, elles ont eu deux enfants. Chacune, c'était le Peter Rechem, c'était la première couche. Alors, eh bien, le père, même si c'est pas qui est le fils de qui, malgré tout, une chose de sûre, c'est qu'il a deux nouveaux-nés, deux enfants qui ont ouvert la matrice de leur mère, et ici deux Peter Rechem, et donc on a deux Bechorot, il faut faire deux fois le Pidyan Ben, donc donner 10 Slaim au Kohen. Ensuite, situation nouvelle. Met Echad Mehen Betor Shloshim Yom, Im Le Kohen Echad Natan, Yachzir Lo Chamesh Slaim. On parle maintenant que, vous savez bien que la Torah, elle a dit, Uftuyav Miben Chodesh Bama'ala. Il faut racheter, faire le Pidyon HaBen à partir de 30 jours. Qu'est-ce qui se passe après les 30 jours, d'abord, à partir de la naissance? C'est que pendant les 30 jours, si l'enfant meurt, alors on considère que c'est un enfant qui n'était pas viable. S'il n'était pas viable, il était dispensé de Pidyon HaBen. Une fois qu'il a passé les 30 jours, donc c'était un enfant viable. Même s'il est mort ensuite, il a été imposé de la mitzvah de Bechor. D'accord? Maintenant, selon ce principe, on parle ici d'un père qui a eu des enfants. Il a eu l'occasion de rencontrer un Kohen, il savait passer les rencontres plus tard. On était à 2 semaines de la naissance, il a dit, tiens, prends directement les 10 slaim pour les 2 enfants. Et le pauvre, une semaine après, il y en a un des 2 enfants qui est mort, donc dans les 30 jours, et le deuxième, il n'est pas mort. Donc maintenant, il s'avère qu'il doit au Kohen, en théorie, concrètement, il doit en fait au Kohen que 5 slaim, puisqu'il y en a eu un des 2 qui est mort dans les 30 jours. Donc c'est un Eiffel, il était dispensé, c'est un Eiffel, c'était un mort-né, même s'il était un peu vivant pendant quelques secondes, pas que pendant quelques jours, malgré tout, il n'a pas un statut d'enfant normal, donc il a été dispensé depuis un Ben. Le Kohen, il devra lui rendre donc 5 slaim, c'est très logique. Il lui a donné 10, pour le moment, le Kohen ne les acquiert pas tant qu'il n'a pas atteint les 30 jours. Finalement, il n'atteint pas les 30 jours, donc il doit lui rendre la moitié. Ok, pour le moment, c'est clair. Le Chidush, il est déjà là. Yim lishne Kohenim Natan, et ne rechol le Tzim Yadam. Par contre, autre situation. Il y avait là-bas 2 Kohanim, même 2 frères Kohanim. Et elle dit, ah, super, il vient d'avoir deux nouveaux-nés qui sont nés, il y a 2 pidyon, et elle a dit, allez, je vous fais plaisir, je donne 5 slaïm à chacun des 2 frères. Comme ça, elle a fait. Après, malheureusement, son fils est mort quelques jours ensuite, un des 2, et pas le deuxième. Donc en fait, il s'avère qu'il doit faire le pidyon ben que de l'un, et pas de l'autre. C'est-à-dire, il doit récupérer l'argent de l'autre. Le problème, il est de savoir de qui il va récupérer l'argent. Chacun, il va le balader comme une balle de ping-pong. L'autre, il va dire, ah non, moi, j'ai eu l'enfant, le Kohen. Il va dire, moi, j'ai eu le pidyon HaBen de l'enfant qui est resté vivant. C'est mon frère qui a eu le pidyon HaBen de l'enfant qui est mort. Et il va aller voir le frère, il va dire, mais non, pas du tout, moi, j'ai eu l'autre. Donc, en fait, puisqu'il les deux, ils ont la capacité de le balader, et donc, il ne pourra pas récupérer son argent, selon la règle. Zekla le Godol Bedin, on va se mettre à l'heure la Varaya. C'est la grande règle des litiges d'argent. Il doit apporter une preuve pour pouvoir récupérer l'argent. Donc il doit apporter la preuve que non, toi tu as eu l'argent de l'enfant qui est mort, donc tu me le rends. Mais tant qu'il ne peut pas prouver comme ça, eh bien, il n'aura pas gain de cause. D'accord? Donc je reprends dans les mots. Im nishne kohanim natan, s'il a donné à 2 kohanim, eno yachol lehotim yadam, il ne pourra pas
récupérer son argent, le faire ressortir. Nouvelle situation maintenant. Zachar ou Nkeva, ou Shnei Zecharim ou Nekeva, Noten Chamesh Selaim Lakohen. Maintenant, il avait donc deux femmes. Chacune va accoucher pour la première fois de sa vie. D'accord ? Elles étaient dans un endroit, en cachette, ou sombre, peu importe, on ne pouvait pas voir ce qui s'est passé, il y a eu une embrouille. Il y en a une en fait qui a accouché deux enfants, et l'autre qui a accouché un seul enfant. On ne sait pas qui est garçon, qui est fille. Il y a eu une chose de sûre, c'est qu'on se retrouve avec au final qu'il y a eu soit un garçon et une fille, ou soit même deux garçons et une fille. Donc en fait, dans toutes les configurations possibles, vous verrez qu'il y aura forcément un Bechor et l'autre qui n'est pas Bechor, soit parce que la fille n'a jamais Bechor, soit même s'il y a deux garçons et une fille. En fait, il est possible qu'en réalité, il y a eu une qui a accouché deux garçons et l'autre la fille. Ou encore une qui a accouché un garçon et l'autre qui a accouché la fille et le garçon. Maintenant, il est vrai qu'il y a aussi une éventualité aussi qu'il y a eu garçon et fille. Garçon pour l'un, garçon pour l'autre, puis fille pour l'autre. Là, dans un cas pareil, il est vrai qu'il y aura en théorie deux pidonabed. Mais dans le doute, on ne pourra pas payer deux fois. Donc, qu'est-ce qu'on fera? Eh bien, on ne payera qu'une seule fois à Cohen, 5 slaim, d'accord? Donc, Zachar on keva, ou Shnei Zecharim on keva. Zachar on keva, un mâle, une femelle, c'est-à-dire un garçon, une fille. Ou Shnei Zecharim encore deux garçons et une fille. Eh bien, Noten Chamesh slaim, la Cohen, il faudra qu'il donne 5 slaim au Cohen uniquement. Par contre, s'il y a eu Shnei Nekevot ve Zachar, ou Shnei Zecharim, ou Shnei Nekevot, en kan la Cohen kelo. S'il y a eu, toutefois, ces femmes ont accouché, et il y a eu deux filles et un garçon. Alors là, on a un problème. Peut-être qu'il y a eu fille et l'autre fille-garçon. Ou peut-être qu'il y a eu fille-garçon et fille, c'est la même chose. Et que, ouais, le coquin, finalement, l'ouverture de la matrice de chacune des deux mères a été une fille. Donc, il y a une dispense de puis d'un à peine. On ne sait pas ce qu'il y a eu. Ou même mieux que ça, il y a eu deux garçons et deux filles en tout qui sont nés. Peut-être qu'il y a eu garçon-garçon et pour l'une et fille-fille pour l'autre. Peut-être qu'il y a eu garçon-fille et le pour l'autre aussi garçon-fille. Dans ce cas-là, il y a eu deux puis d'un à peine. Mais il est aussi possible que ça ait été le contraire, qu'il y a eu fille garçon et fille garçon. Dans ce cas-là, on ne sait pas. Maintenant, même si la probabilité elle est plus petite, puisque sur notre configuration, si il faudra pour qu'il soit dispensé complètement, il faudra qu'il y ait eu nécessairement fille garçon pour l'un et fille garçon pour l'autre. Mais malgré tout, dans le doute, on ne sait pas ce qu'il y a. De nouveau, la grande règle, Zekla Gadol Bedin, Amosim Rabal Rabaya, il ne pourra pas faire ressortir, le Cohen ne pourra pas réclamer aucun argent, parce qu'il est possible qu'il ne doit rien au Cohen. D'accord ? Maintenant, nouvelle situation, qui ressemble cette fois-ci. C'est exactement là, pour la fin de la Mishnah, ça va être exactement la même chose que la Mishnah précédente. On a pris longtemps pour l'expliquer. Avec cette fois-ci, dans la Mishnah précédente, on parlait qu'il y avait une seule femme. Et maintenant, il y a deux femmes. Mais c'est exactement le même principe. Qui sont ? Achat bikra ve achat shelo bikra ve yaldu shnei zecharim. Il avait deux femmes. Une qui avait déjà accouché et l'autre qui n'avait pas encore accouché. Alors dans ce cas-là, noten chamesh laim la kohen. Pour le moment, tout va très bien. C'est normal. Il a eu deux garçons. Elle a eu deux femmes, une qui a déjà eu un enfant, et l'autre, c'est la première fois qu'elle va accoucher. Il les a laissées dans un endroit sombre, on ne sait pas qui a accouché, qui quoi. Il revient qu'il y a deux garçons, un pour l'un, l'autre pour l'autre. Bon, ben, il doit payer un. Pour le moment, il doit payer un Sela. Même si les enfants ils se sont embrouillés, on s'est trompé, on ne sait pas qui est le fils de qui, mais il doit payer un Sela. Tout à fait normal pour le moment. Maintenant, nouvelle situation. Matechad men betor shloshim yom, av patour. Si on a un des deux qui décède durant les 30 jours, dans ce cas, le père ne devra rien payer au Kohanim. Pour quelle raison? C'est très simple. Parce qu'il est possible que celui qui est mort, c'était en fait le vrai Bechor, et l'autre, il n'est pas Bechor. Donc en fait, deux choses, dans les deux cas, il est dispensé complètement de payer les 5 Selaim au Kohanim. Par contre, Meta'av v'abanim kayamin, si toutefois, on est dans une situation où, finalement, dans les 30 jours, par exemple, le père, ou même après, par exemple, c'est le père qui décède. Donc le père, il est mort, donc, ce niveau de la Mishnah précédente, ça s'appelle un milvé alpé. C'est une dette qui n'a pas de preuve écrite. Même si c'est écrit dans la Torah, ça n'est pas considéré, c'est pas considéré comme un contrat. Donc de ce fait, tant qu'on a les biens du père qui sont devant nous, on paye. Dès qu'on n'a plus les biens du père, alors on ne pourra plus réclamer cet argent, puisque c'est devenu comme un bien hypothéqué. Il n'y a pas d'hypothèque dans les prêts à l'oral. D'accord, c'est la Mishnah précédente, regardez-la de nouveau si vous n'avez pas assez compris. Mais je ne vais pas relancer dessus pour le prochain. Alors, j'explique maintenant. Donc, Meta Av Vabanim Kayanim. Le père est mort et les deux enfants sont encore là. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir nous enseigne. Im Natnu Adchelo Chalku Natnu. S'ils ont l'occasion
l'opportunité de donner alors qu'ils n'ont pas encore partagé les biens. Note-nous, là, il n'y a aucun problème. Ils ont donné l'argent du père pour une dette du père sans que le bien ait été transmis à quelqu'un d'autre. Par contre, Ve'imlav, mais si ce n'est pas le cas, qu'ils ont déjà partagé les biens. Or, d'après Rabbi Meir, quand on partage les biens, c'est considéré comme si qu'en fait un frère achète de l'autre. Et pas comme si qu'il hérite de son père. Parce qu'il est possible qu'en réalité, la part de chacun, ça a été, c'est la part que l'autre il a reçue. Alors pourquoi il l'a reçue? Parce qu'en fait, je l'ai reçue, mais comme on n'avait pas le choix, je l'avais en théorie, mais puisque je n'ai pas pu le récupérer, on ne savait pas où elle était. Donc du coup, on a échangé les parts l'un l'autre. Donc en fait, il s'avère que moi, je lui ai donné ma part et lui m'a donné sa part. On ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être que c'est concrètement ce qui s'est passé. Donc dans le doute, en tout cas, on ne pourra plus les biens que chaque frère va posséder. Il est possible que ce qu'il possède dans la main n'est pas le bien du père. C'est un bien qui lui appartient à lui. Or, il n'a pas de devoir de payer les dettes de son père. Il a un devoir de que s'il possède les biens du père, alors il devra payer les dettes du père. Mais là, c'est possible qu'il n'a aucun bien du père, finalement. Ça a changé de propriétaire, donc du coup, c'est arrivé dans ses mains. Alors, du coup, Rabbi Meir va nous dire, Ve'imlav, si donc, Ve'imlav, on était, ouais, s'ils ont déjà partagé les biens, ils ont déjà été partagés, donc, Ptorin, ils n'auront plus besoin de payer. Tandis que Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda nous dit, non, Nitraïvou Nechassim, il y a eu une réquisition de biens qui a été appliquée sur les biens, et donc, il pourra récupérer les 5 slaves. Des biens du père. C'est-à-dire, le Cohen, il va pas revenir, il va dire non, vous avez déjà hérité, ben donnez-moi quand même, chacun va me donner 2,5, parce qu'il a engagé de payer les dettes de son père, ils ont le statut d'héritier. D'accord? C'était vraiment toute la mission précédente. Vim, maintenant, dernier cas de figure, Zacharon Kevin, Kanel Cohen Kloum, bien évidemment, on revient maintenant sur le cas que le mari avait deux femmes, une qui avait déjà accouché auparavant, une qui n'a jamais accouché. On ne sait pas qui a accouché quoi, il revient, il voit qu'il y a un garçon et une fille. Est-ce qu'il doit payer les 5 slaïm? La réponse, non, il ne payera pas les 5 slaïm. Pourquoi? Parce qu'il est possible que celle qui avait déjà accouché, c'est elle qui a eu le garçon, et celle qui n'a jamais accouché, c'est elle qui a eu la fille. C'est elle. Ouais, ça gagne un coup, donc finalement, il sera complètement dispensé de Pidyon Aben. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine, Hatzlacha, Kol Tov, Salam.